Salut les joystiques, c'est Van Axel et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas, et ce majoritairement grâce à vos suggestions, donc un grand merci pour ça. Je rappelle les deux petites règles que je m'impose sur la série de vidéos, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment de garantir l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut être du jazz, en passant par le hip-hop, le death metal, des trucs plus ou moins obscurs, plus ou moins extrêmes, donc encore une fois n'hésitez pas à suggérer en commentaire des artistes auxquels vous voudriez que je réagisse. Aujourd'hui, grosse connexion proposée par Irioxys, c'est DJ Pwn avec Gringe et Giorgio. Alors pour ceux qui ne connaissent pas DJ Pwn, c'est un des membres de Birdie Nam Nam et le DJ des Zwinkels aussi qui bosse beaucoup avec eux. Zwinkels, très très bon groupe dans lequel j'ai fait aussi une vidéo sur leur dernier album. Et donc il a un feat, donc probablement dans son album solo de Pwn, à ne pas confondre avec Pwn qui fait aussi des prods hip-hop mais qui a rien à voir avec. Hein. Qui est un autre mec très très bon, un autre beatmaker et producteur très bon, mais qui n'a rien à voir avec DJ Pwn. Même si les deux, un peu, tu vois, ils confluent dans le hip-hop de temps en temps. Et donc avec Gringe, bien sûr, on connaît hein, les bails, hein, les casseurs flotteurs, le pote d'Orelsan et tout ça. Et Giorgio, très très bon rappeur qui fait sa petite carrière. Moi j'aime bien Giorgio un peu en full indépendant, tu vois, et qui nous fait des dingueries, des masterclass album sur album, en faisant son petit bonhomme de chemin sans non plus viser les étoiles, tu vois. Il se met très très bien. Et donc on m'a proposé ce morceau qui réunit les trois et qui s'appelle Remède, morceau de 3 minutes, on va se faire ça tranquille, et puis on prendra les lyrics à la fin s'il faut. J'ai hâte parce que Giorgio, la mélodie, il sait faire ça, Gringe aussi, il sait jouer la mélodie, mais ça c'est rappé aussi, donc je sais pas trop si on va être sur un truc très rappé, très mélodieux. Pwn, il aime bien aussi les instrus à l'ancienne, des scratchs, des machins, des samples et tout. Donc curieux de voir dans quel truc on se dirige, mais je suis très 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 chaud, bouillant. Un peu film noir là, tu vois. Petit sample. Oh, ça va être lourd. Mon âme est noire, y'a pas de remède. J'ai des troubles de la mémoire, y'a pas de remède. Ouh, je m'attendais pas à ça, un truc très moderne. Le double G, le P. Il manque quelques cases, quelques panneaux LED. Très cool, Gringe là-dessus. J'agite la France insoumise face aux Z. On la laisse pas peinard comme un pied noir au bled. Non, y'a pas de remède. J'y vois plus clair. Très grave l'instru. Faut faire de l'oseille, frère. Faut qu'on fasse un max de bread. Les vacances, c'est de la baise, mais c'est pas le club med. Ne me soumets pas car je cède. Oh, on a vu le pot dans l'air là. Il me faut une gotard, le bled. On est validé par la snap. T'es validé par le CNED. Film à l'envers, vrai, probablement. Sans faire de zèle, je pars perdre de gazelle et rayures par le zèbre. L'instru est illégal. Ouh, les deux voix sur le refrain là. Ça dépasse tout ce que j'attendais. La vie lumière, c'est le départ de l'air. T'en as pas marre de faire des tracks de merde. Le double G, le P de Pwn, y'a pas de remède. Donner à ceux qui réclament de l'aide, c'est le ça le remède. J'ai cramé ma jeunesse, pas de business plan pour les 30 ans. Alcoolisé devant une boîte de l'Est. Potion magique dans ma vitelle. Elle m'a invité mais j'ai pas envie d'elle. Elle sait que je suis en couple, que plus jamais je serai un petit plan séquence le clip là. Je reste avec Vesti et H, N-Crew aussi et Hal. Pas de cinéma, l'amitié, la vraie, la pure, pas l'idéal. Mais celle qui bouge pas quand un ami dérape. Des bougies allumées, des regards qui se trouvent pas. Un silence qui fait pleurer les murs. Ça finit souvent comme ça dans ma rue. Donc on comprend qu'on s'amuse quand y'a pas de remède. Vraiment l'instru je la trouve illégale. Elle est trop trop chaude, bouillant. J'ai des troubles de la mémoire, y'a pas de remède. La vie lumière, c'est que des barres de l'air. T'en as pas marre de faire des tracks de merde. Le double G, le P de Pwn, y'a pas de remède. Le DJ Pwn, la petite stache mou. Très très propre, Gringe aussi. Soit disant qu'il s'est plus rappé. Attention, hein, il est là. Hein. Moment de bonheur dans un instant simple. Ouais, je sais qu'on a rien sans rien. Roule à 220 dans la vie lumière quand tous les feux sont verts. C'est ça le remède. C'est quoi le remède? Y'a pas de remède. Paris la nuit me pousse à la fraude. Tu vois, filmé à l'envers et l'endroit mal endroit. Très propre. Je me bousille la santé jusqu'à l'eau. Les petits lits derrière et les petits hey hey hey, mais très très bien. J'ai des troubles de la mémoire, y'a pas de remède. La vie lumière, c'est le départ de l'air. T'en as pas marre, t'en es traque de merde. Le double G, le P de Pwn, y'a pas de remède. C'est limite orchestral derrière. Gros pads bien lent, bien lourd. La vie lumière c'est le départ de l'air. T'en as pas marre sur les tracks de mer. Le double G et le P de Pwn, y'a pas de remède. Le double G et le P de Pwn. Très très fort. C'était très très fort. C'était DJ Pwn, Fit, Gringe et Giorgio. Le double G. Incroyable. Le morceau est juste incroyable. Chaud bouillant.
Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait nous kicker sur un truc plus old school, tu vois. Et il nous a sorti une instru à la limite de l'électro avec énormément de passes derrière qui donne un truc un peu orchestral. J'aime beaucoup Giorgio sur le son. J'aime beaucoup Grinch sur le son. Ça match de fou. Je pensais pas que ça matcherait autant. Je pensais que Giorgio allait nous sortir des petites voix chantées et tout. Et en fait, non, ça match vraiment sur un rap classique, tu vois. Les flows, on les connaît. Tu vois, les flows de Grinch, les flows de Giorgio, c'est très très fort. Mais c'est surtout l'adéquation sur la prod, elle est assez, assez dingue. Et bah du coup, on va se la remettre avec les lyrics. Mais du coup, ouais, vraiment grand morceau. Je m'attendais pas à ça. Pour moi, tu vois, genre là, il vient de faire un truc. C'est bouillant, c'est un volcan, ça, tu vois. C'est la prod est bonne. L'adéquation, vraiment, le feat est parfait. Les deux chantent sur le refrain en même temps. Il y a pas de fioritures, juste une prod incroyable. Et deux rappeurs qui envoient leur couplet. Qui est vraiment, vraiment très, 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 très lourd. Très, très bouillant. En tout cas, c'était un excellent morceau. Donc merci d'avoir suggéré. C'est vraiment ma cam, ça, tu vois. Tu m'as bien ciblé dans ce que j'aime, c'est-à-dire que j'aime bien quand tu vois les mélodies et les. On commence à avoir des trucs un peu, tu vois, des fois modernes, des trucs un peu nouveaux, mais on garde cet aspect hip-hop brut, tu vois, ça rappe, ça envoie, tu vois. Et donc, du coup, on va se la remettre avec les lyrics que je prends souvent sur Genius parce qu'ils sont annotés, puis parce que je trouve que le layout il est cool sur Genius. Donc, on se remet ça et puis on se fera des petites pauses pour écouter, pour discuter des lyrics s'il y a des trucs qu'on comprend pas, tu vois. Rien que ça, hein. Je trouve que la basse. De la mémoire, y a pas de remède. Il y avait une lumière avec des barres de LED. Des barres de LED. Mm-hmm. Le double G, le P, Grinch, Giorgio et le Pone. Quelques panneaux LED. Artiste en survie grâce aux Z. Ça c'est marrant ça. La France insoumise face aux Z, on la laisse pas peinard. Bon là ça vous avez les refs hein. Artiste en survie grâce aux Z parce que bah forcément si en fait quand t'es artiste t'es considéré intermittent du spectacle. À part dans des cas particuliers. Et donc, du coup, si tu fais pas tes heures, t'as une compensation. Enfin, je sais plus comment ça marche. Enfin, il faut faire un minimum d'heures, mais du coup. Enfin, j'y connais rien en fait au statut d'intermittent du spectacle, je sais pas de conneries. Mais globalement, parfois, ils peuvent avoir des aides. Donc, du coup, artiste en survie grâce aux aides, c'est-à-dire, tu vois, il survit grâce à ça. Et je suis de la France insoumise face aux aides, tu connais. On va pas dire, on va pas prononcer les mots bannis ici. Pied noir au bled. Non, y a pas de remède. J'y vois plus clair sans barre de LED. Faut faire de l'oseille, frère, faut qu'on fasse un max de bread. Les vacances, c'est de la baise, mais c'est pas le club med. Ne me soumets pas, car je cède. J'ai perdu mes principes, il me faut une gotard le bled. On est validé par la SNEP, t'es validé par le... Bon, tu connais ça, la SNEP, c'est l'organisme qui... Comment dire, qui certifie les albums. Et le CNED, c'est le Centre National... C'est quoi qui dit? Ah oui, c'est l'enseignement à distance, les élèves qui sont qui peuvent pas ou qui ne veulent plus être scolarisés sur place, quoi. Donc du coup, c'est un peu moins valorisant, c'est ce qu'ils disent, d'être validé par le SNEP, c'est fort. Le CNED, au potentiel vrai, on s'en sort sans faire de zèle. Je pars perdre de gazelle et rayures par le zèbre. Mon âme est noire, y'a pas de remède. J'aime bien, ils disent refrain Grinch, c'est faux, y'a les deux voix. J'ai des trous de la mémoire, y'a pas de remède. Et les deux voix, hein. La vie lumière, c'est que des barres de LED. T'en as pas marre de faire des tracks de merde. Le double G, le P de Paul, y'a pas de remède. Fort. Donner à ceux qui réclament de l'aide, c'est ça le remède. J'ai cramé ma jeunesse, pas de business plan pour les 30 ans. Alcoolisé devant une boîte de l'Est. Potion magique dans ma vitelle. Elle m'a invité, mais j'ai pas envie d'elle. Et c'est que je suis en couple, que plus jamais je serai infidèle. C'est ça le remède. Je reste avec Fusty et H, N-Crew aussi et Al. Là, c'est son entourage, tu vois. Donc il dit qu'il reste fidèle à tous ses amis et son entourage de tous ses anciens, tu vois. Vesti, également membre de la 75e session, tu vois. Donc il parle, voilà, c'est ses proches, tu vois. Cinéma, l'amitié, la vraie, la pure, pas l'idée. Comme on dit. Mais celle qui bouge pas quand un ami dérape. Des bougies allumées, des regards qui se trouvent pas. Un silence qui fait pleurer les murs. Ça finit souvent comme ça dans ma rue. Donc on comprend qu'on s'amuse quand y'a pas de remède. Mon âme est noire, y'a pas de remède. Mais y'a déjà les deux voix là. J'ai des troubles de la mémoire et y'a pas de remède. C'est beaucoup trop fort. Hein. La vie lumière, c'est que des barres de LED. T'en as pas marre. Et puis on peut parler du clip avec plan séquence là. Incroyable. Y'a pas de remède. Trop fort. Le pont est très bon aussi. Moment de bonheur dans un instant simple. Ouais, je sais qu'on a rien sans rien. Roule à 220 dans la vie. Un vrai feat, tu vois, où ça se mélange, j'aime bien. C'est quoi le remède? Y'a pas de remède. Paris, la nuit me pousse à la fraude. Les yeux bandés sur la corde raide. Je me bousille là, c'est ça picole, ça picole. Mon âme est noire, y'a pas de remède. Et puis, hey, qui m'aide très bien. J'ai des troubles de la mémoire, y'a pas de remède.
La vie lumière c'est des barres de laine. T'en as pas marre sur des traces de merde. Trop fort. Le G, le B de Paul, y'a pas de remède. Ça tourne. Une armée noire, y'a pas de remède. Ah là, on entend plus George. J'ai des troubles de la mémoire, y'a pas de remède. Sur le dernier refrain. La vie lumière c'est des barres de laine. T'en as pas marre sur des traces de merde. Le double G, le B de Paul, y'a pas de remède. Eh bah c'est trop fort, je suis désolé, ça va pas faire du bruit comme ça devrait, mais bordel, la track est juste incroyable. Ça doit faire du bruit, tu vois. Ça c'est une track de fou, ça mélange des trucs très modernes et à la fois du old school. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est pas, tu vois, genre on n'est pas sur un rap conscient, social, ce que tu veux. C'est pas de la poésie à la Kerry James, mais c'est bien écrit, tu vois. Les punchs sont bien, leurs couplets sont super bien écrits et ça fit de fou avec la track, avec un peu un truc dystopique, tu vois, le plan séquence du clip qui est très 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 sympa, genre en marche arrière puis en marche avant, on l'avait grillé bien sûr, ça se voit souvent quand les gens marchent en fait. Et mais du coup c'est vraiment une track excellente, en tout cas moi je trouve que c'est gros banger, merci d'avoir suggéré, et j'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et moi je vous dis à la prochaine Lustique, allez ciao, des bisous.